va fêter bientôt nos 2 ans, parce qu'on a ouvert fin 2015, début 2016. Par contre, l'idée est venue dès 2009, puisque le foot à 5 à ce moment-là commençait à prendre de l'ampleur, et on s'est dit pourquoi pas adapter le concept au basket. Aujourd'hui, on a 3 salles en exploitation, Paris, Port de la Villette, Toulouse et Évry. Et donc on va ouvrir notre 4e salle à Lille. Pour le moment, il n'y a pas de projet concret sur la 5e salle. Et puis je pense que compte tenu de l'ampleur du boulot sur Mont Saint Barœul, on va quand même prendre le temps de bien faire les choses et d'avoir une ouverture digne de ce nom. La spécificité de ce complexe-là, c'est qu'il est quasiment 2 fois plus grand que notre centre étendard à Paris. Et donc on a dû se réinventer parce qu'il y a énormément de surface à travailler sur ce site de Mont Saint Barœul. À Paris, on accueille entre 1500 et 2000 personnes par semaine. On espère en accueillir au moins entre 1000 et 1500 sur la métropole lilloise. Alors, il y avait un tas de facteurs qui nous ont incité à venir s'implanter à Lille. D'une part, la population basket. C'est une région qui est très sportive, mais qui est plus particulièrement très basket. On a vu avec l'Euro 2015 qu'il y avait une grosse communauté dans la région. Et puis voilà, comme ça a été dit par ailleurs, il y a 25 000 licenciés sur le territoire et c'est dans le top 3 français. Donc aujourd'hui, pour nous, c'était une étape incontournable de notre développement de s'installer sur l'île Mont-Saint-Barœul.